Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2020, je sais pas pourquoi je donne la date, mais aujourd'hui, on est parti pour aller invoquer sur un portail sur lequel pas grand monde ne va invoquer, puisqu'il s'agit du Dokkenfest Mirai Gohan Intelligence, comme vous pouvez le voir, et le détecteur, il a changé par rapport à la version Jap, et ça c'est une très très bonne nouvelle, puisque la seule unité qui a changé du portail, c'est le Hit, pour être remplacé par, écoutez bien, le Black Goku Intelligence, et ça c'est une très très bonne nouvelle pour moi, puisque déjà de une j'ai qu'un seul doublon dessus et de deux c'est mon leader de catégorie préféré, donc forcément si j'arrive à le faire tomber 3 fois dans cette vidéo, même si j'y crois à 0%, ça serait exceptionnel. Que j'ai tous les Black Goku à 100% de jeu, ça me ferait ultra plaisir. En dehors de ça, le Mirai Gohan Intelligence est une très très bonne unité, c'est un très bon Dokkenfest, un très bon leader de catégorie d'ailleurs, qui ajoute la catégorie lien maître et disciple sur la version globale. On a également un nouveau Trunks qui est lui aussi très très bon, si j'ai la chance de dropper un des deux voire même les deux, pourquoi pas un showcase sur la chaîne prochainement. Et au niveau du reste, par contre, sur le roster, ça fait un petit peu mal, en vrai de vrai, parce que j'ai tellement de personnages à 100% là. Migaté, ça fait 8 ans maintenant que je l'ai à 100%, j'ai de quoi le mettre SP 170. Ensuite, le Boom Multiforme, alors lui c'est une bonne nouvelle parce que j'ai que 2 doublons sur le personnage, donc ça me va, si je le fais tomber encore, bah pourquoi pas. Ensuite, le Végéton Endurance, lui ça fait depuis vraiment 1963 que j'ai déjà son arbre de compétence à 100%, donc il m'intéresse pas du tout. Et la dernière carte du détecteur, Mirai Gohan Endurance, alors lui j'aurais tout fait pour l'avoir à l'époque, mais maintenant que je l'ai et que j'ai 4 exemplaires en plus dans ma box, bah il me sert forcément pas à grand chose hein, malheureusement, même si on pourrait se dire ouais ça peut monter l'aspect du Mirai Gohan, et non, parce que le nouveau Dokkenfest est un basse forme et non pas une version transformée, sauf si il active sa mécanique de transformation, sauf que là pour le coup faut directement être in game pour pouvoir proquer sa mécanique quand il s'agit. Enfin bref, en dehors de ça, et je suis désolé l'introduction dure un petit peu longtemps, mais parce que j'ai encore un truc à vous préciser, pour ceux qui sont des cash players et qui n'ont pas envie de mettre des dés sur ce portail, sachez qu'il est disponible d'acheter des tickets pour la maudite somme, ou la énorme somme plutôt, de 9€. Vous avez 5 tickets Festival Dokkan. Évidemment, ça vous garantit pas d'avoir un SSR du détecteur, plutôt une multi qui vous garantit un SSR normal comme si c'était une multi normale, et vous pouvez en acheter 3, donc ça vous fait 15 tickets à invoquer. Et puis si vous arrivez à dropper sur ces tickets là, bah au moins vous économisez vos DS et pas besoin d'acheter de paquet. L'introduction étant terminée, on va se rendre dans l'onglet des invocations et on va commencer à invoquer. Let's go. J'ai eu un petit souci de record, le début ça s'est pas enregistré, mais c'est pas grave, là c'est une single comme d'habitude avant chaque invocation sur les portails de Dokkenfest, la petite single pour se chauffer et dropper que dalle, parce que au niveau des animations j'ai eu C18 et Piccolo, donc je m'attends à dropper absolument rien du tout, voilà, Yamcha Air Technique. J'ai également fait l'acquisition justement des tickets de Dokkenfest qu'on va les récupérer dans notre pot à cadeaux, parce que c'est écrit plus 99 et j'ai énormément du coup de récompenses à récupérer. On a 24 DS plus nos 15 tickets Dokkenfest, mais encore 37 cadeaux, 7 DS à récupérer, et c'est nickel. Ok, donc là du coup, on part d'abord sur les invocations tickets, forcément, si j'arrive à dropper dessus, pas besoin de claquer des DS sur le portail Dokkenfest, et ça m'arrange pour la future célébration qui sera certainement celle du couleur multiforme ou autre. Et on a le Whis, ok, j'ai jamais eu encore l'animation Whis avec Beerus, ou Whis remonte dans le temps, et ça serait tellement stylé qu'on puisse l'avoir cette animation, SSJ2, et attention, pas d'SSJ3, ok, c'est pas grave, de toute façon ici, il n'y a que 5 cartes qu'on peut invoquer. Sur les 5 cartes, je crois qu'il y a quand même un SSR de garantie, même si le SSR garantie, à mon avis, sera pas dingue de fou, mais ça veut rien dire. On est sur la dernière carte, après le Piccolo SR Intelligence, c'est SSR. Et bof, non, je l'ai déjà à 100% en fait. Il m'intéresse pas du tout ce personnage, malheureusement, j'aurais kiffé l'avoir si j'avais pas tous ces doublons, mais maintenant, bah, il m'est plus du tout utile. Ok, et bah c'est pas grave, on repart sur la deuxième multi-ticket. Attention. Souhaitez-moi bonne chance comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous d'ailleurs vous avez invoqué sur le portail, parce que je sais que pas grand monde n'a envie de summon dessus, pour la simple et bonne raison qu'on sait que sur la version japonaise il y a le portail de Gogeta et Vegeto LR, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui invoquent dessus. Double craquage? Non, pas du tout. On commence avec un Frost SSJ3, yes, Zamasu SR Agilité, C17R Endurance, putain ça fait longtemps que j'avais pas droppé. Et pour terminer, attention, oh là 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 là, mais mec, est-ce que j'avais tous ces doublons? Je crois que je l'avais peut-être pas à 100%, mais je suis pas sûr du tout en vrai de vrai. Bon, de toute façon c'est pas très important parce que je la jouerai jamais, mais bon, en tout cas c'est pas deux multi tickets qui ont été très ouf. On part sur la dernière, habituellement on dit jamais 203, mais là j'aimerais bien que pour la troisième multi on arrive à choper un détecteur. Ok, mec, multi ticket
On a une animation détecteur, Goku Krillin, ça régale de ouf. Alors là, si on arrive à faire choper le Mirai Gohan intelligent, ça serait le plus gros braquage de l'histoire de l'humanité, sincèrement. Ou même si là j'arrive à avoir une animation détecteur, s'il te plaît, même si les probas sont très très faibles, que j'arrive à dropper un nouveau personnage. Parce que sur la bannière, j'ai tout le détecteur sauf les deux nouveaux personnages, et la plupart du temps, ils sont tous à 100%. Donc là, les probas que j'arrive à dropper un nouveau perso, elles sont très minimes, mais je le sais, par la force, c'est dans le désespoir que naît l'espoir. Là, on va faire tomber du sale, let's go, nice, ok, nouveau personnage qui tombe avec les tickets, les gars, le Trunks du futur. Eh bien, Showcase sera disponible sur la chaîne dans la semaine, et ça fait plaisir, bordel, oui, parce que le Trunks, une fois éveillé, il a quand même du flow, et même en version de base, il est quand même très très stylé. Charismatique le Trunks, on aime, ah ça fait plaisir. Au moins j'aurais pas le regret de me dire que j'ai claqué mes tickets pour rien. Et là on part du coup sur les vraies multi-invocations. Et c'est là maintenant que j'ai besoin de votre chance les gars. On part sur la multi, 3, 2, attendez. La fameuse team forcément pour marabouter le jeu. Et là on part vraiment pour invoquer. On perd pas plus de temps, let's go. Imaginez on a la faille, imaginez on remonte dans le temps. Imaginez on a animation détecteur, rien que ça pour commencer. Bou et Krillin, ouais bah non, hein, parce que Bou sur Krillin... Oh, mais attendez, donne-moi ça plus vite, mais ça annonce une fusion en fait. Oh, let's go, deuxième multi, et on a un Dokkan Fest. Nice. Maintenant, reste à savoir qui c'est, parce qu'il se peut que ça soit une fusion et que je drop un Migaté. Et si je drop Migaté, vraiment, j'aurai grave le seum. Il y a une chance sur je sais pas combien que je drop un bon personnage. Shaozu SR Intelligence, meilleur. Oh non, putain, c'est tellement triste de me dire que je suis dégoûté de le dropper celui-là alors qu'il est très bon. Super Végéto, leader de la catégorie Saga Debout, mais que j'ai déjà à 100% et qui m'intéresse pas du tout. Après, vous allez me dire animation Végéto pour dropper Végéto, c'est pas mal, mais ok, Gotenks déjà 100%. Il m'intéresse pas, on est beaucoup sur l'arc Saga Debout. Un Bou multiforme, franchement, je serais pas contre. Et un Black Goku Intelligence, ça serait incroyable. Et Mirai Gohan Intelligence, alors là, mec, c'est vraiment le go. On est sur une multi quand même avec 3 SSR. Si on arrive à choper un bon personnage pour la fin, ce serait quand même exceptionnel et... Oh, ok mec, bon ça va, le jeu il m'a fait comprendre que bah non, hein, tu t'es enjaillé pour rien, là, retourne sur terre. Bon, je vais quand même lui mettre le cadenas, même si ça sert absolument à rien, parce que je le vendrai chez Baba certainement à un moment donné. Bon, on est reparti du coup sur une deuxième multi-invocation. Pour l'instant, on est quand même sur des bons taux de drop. On a droppé un nouveau SSR avec les tickets. La première multi sur le portail, on fait tomber un Dokkan Fest. Ok, on a Vegeta, est-ce que ça va fusionner encore? Ça a glissé, ça s'est relâché, ça s'est transformé, il y a un arc-en-ciel et attention, ok, ça s'est pas fusionné. Oh dommage, j'ai quand même un petit peu cru au début, mais malheureusement c'est pas du tout le cas. SSJ 2, pas de SSJ 3, pas de SSJ God, pas de SSJ Blue, pas de SSJ 5. Et on commence doucement avec un Piccolo AirTech du même type que sa couleur de peau, absolument incroyable. Le Ginyu SR Intelligence, pareil, du même type que sa couleur de peau, incroyable. Et on continue en plus, Kaioshin, même type que sa couleur de peau, incroyable, et attention, cacao, mais wesh, je me suis enjaillé, c'est parce que l'artwork en fait elle était bleue. Enfin bref, on s'en fout, c'est 18, même type que sa couleur de vêtement. Ensuite on a le Kiwi, pas le même type que sa couleur de peau, ah oh, c'est un petit peu dommage, on a brisé la malédiction. Trunks cheveux longs endurance, on s'en bat les steaks. Boudin, on s'en bat les steaks, et je crois qu'on est sur une multi absolument dégueulasse, puisque là c'est la dernière carte. Et attention, oh là, il est très bon, hein. Vous le savez à quel point lui il a eu un Dokkan qui est absolument monstrueux dans le game, mais je l'ai déjà à 100% donc il me sert absolument à plus rien. On est parti pour la troisième multi-invocation de cette VOD, déjà 150 DS de claquer. S'il te plaît, si on pouvait arriver à choper ne serait-ce qu'un bon personnage, même si j'ai déjà eu le Trunks, si on pouvait faire tomber le Mirai avec, ça serait beau jeu. Mais Satan, il est tombé, mais on a un relâché Rainbow. Oh, j'aurais préféré que ça se transforme pas, ça m'aurait peut-être valu d'avoir un double craquage avec un paf ou un donne-moi ta culotte. Mais bon, c'est pas le cas, on commence avec un Yakon qui aurait totalement pu swapper mais qui ne l'a pas fait. Ensuite, on a encore un Piccolo, mais cette fois-ci c'est un SR puissance, un Trunks jeune, sauf que j'en ai déjà eu un tout à l'heure qui était mille fois mieux, un 10R puissance, encore un Kiwi, manger des fruits c'est important, Beerus Steak, on s'en bat les steaks, le Boo Tanks, on s'en bat les tanks, Dodoria c'est du caca, ensuite on a un Oob et ça c'est pas ouf, et on termine je crois par un Thalès. Oh là, par contre là je crois que si c'est la dernière carte vraiment ça pue la merde. Ah ouais, là la multi elle était vraiment catastrophique les gars. Bon, grâce à la magie de Noël et plutôt de la carte bancaire, j'ai quelques DS qui ont refait surface du coup, et on a encore de quoi faire deux multi-invocations.
J'y crois, en vrai de vrai, on a bien commencé la VOD, j'aimerais bien qu'elle se termine bien également. J'ai toujours espérance que je puisse voir la faille quand je démarre une multi. On a une animation complètement éclatée contre le sol, Trunks avec Tenshinhan, mec, c'est le genre de combinaison que personne ne veut quand il summon. SJ3 peut-être, même si ça sert à rien, non? Et je sens que cette multi invocation va être catastrophique. J'ai limite envie de la skip, hein. Sérieusement, là je sais même pas si on va réussir à avoir autre chose que le SSR de garantie. Et le SSR de garantie, je pense vraiment pas que ça va être un bon SSR en plus. Allez, c'est juste après, et forcément, on tombe sur de la merde. Oui, c'est Lipa. Oh, c'était pas la dernière. Ouais, mais le dernier personnage, de toute façon, il était absolument merdique. Ok, et ben là, on est sur la der des der, comme j'ai l'habitude de dire. Et s'il te plaît, au moins pour terminer, fais-moi espérer une animation. Détecteur, je sais pas, ça serait cool en vrai de vrai. Fais-moi popper un truc, C17. Non, y'a pas C17, C18. Allez, Miraigon, c'est dans le désespoir que naît l'espoir. On a confiance en toi. On sait qu'on peut arriver à choper quelque chose dans cette multi-invocation. Suffit juste d'y croire en fait. On s'est fait littéralement exploser sur la bannière. Je sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de dropper directement en quelques multi-invocations le Miraigon, mais vraiment, j'ai l'impression que les taux de drop sur ce portail, c'est pas dingue de ouf quoi. Ok, il en manquait plus qu'un pour avoir un SSR garanti en single. Malheureusement, ça a pas été le cas. On va repartir sur une deuxième single. J'ai vraiment envie de terminer cette VOD avec un détecteur en fait. C'est grave relou d'invoquer et de pas réussir à choper de bonnes animations, parce que là j'en ai eu qu'une seule de bonne animation au final, hein. Et c'était au tout début, et on a encore 3 personnages et il en manque un, et celle-là nous garantit... Oh, attendez, Rainbow en single, ça veut pas dire SSR ça. Je crois que Rainbow en single, les gars, ça veut dire SSR. Dites-moi si je me trompe, enfin de toute façon on va le savoir très très vite. SJ3, non c'est ça, SSR en single. Allez le jeu, s'il te plaît, on y croit. Si en single j'arrive à faire tomber un truc de ouf. Ok, vraiment pour le coup, c'est la dernière multi de cette vidéo invocation. Et on se retrouve comme d'habitude tous les soirs sur YouTube à partir de 20h30. Et on claquera les 50 dernières DS qui me resteront. Et oh là là, mais j'en ai marre de pas avoir d'animation. Je sais que ce soir, de toute façon, quand j'invoquerai avec vous, j'aurai de la luck. Ah, peut-être un double bye bye, qui sait. Y a pas eu de long Kamehameha. Déjà, on a un premier brisage d'écran, merci les boules de cristal, peut-être un... Ouais, non, pas du tout. Ok, non, mais le jeu, c'est pas grave, hein, y a pas de soucis. Si tu voulais me dire qu'à la base, il fallait pas invoquer sur ce portail, je l'aurais directement compris et j'aurais pas summon, hein. Parce que là, vraiment, je suis parti pour faire des multis de merde, en fait. À part le début, j'aurais dû m'arrêter, en fait, sur les invocations tickets. Si je m'étais arrêté sur les 3 premiers tickets que j'avais invoqués, là, les 15, et... Oh là 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 là, mais mec, je l'avais déjà droppé en début de vidéo. Ah là 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 là, on a tellement pas été lucky, du coup, sur cette VOD, enfin, on a quand même droppé le Trunks, vous voyez, mais bon, le reste, c'était clairement pas la folie. On se retrouve ce soir pour la dernière multi-invocation du coup. En attendant, j'espère que vous, de votre côté, vous avez soit paqué vos DS, soit vous avez réussi à choper du sale. Et moi, comme d'hab, je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.